Bonsoir ou bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club et sur GTA Online pour parler des nouveautés, puisqu'il va y en avoir cette semaine, et des activités, promotions et bonus de la semaine, comme chaque mercredi soir maintenant depuis septembre sur la chaîne. Et aujourd'hui, ou ce soir, tout dépend quand vous regardez la vidéo, on va parler de la prochaine semaine qui va attaquer ce jeudi 12 octobre et qui se terminera jeudi prochain 19 octobre. La semaine précédente, on avait eu une première partie d'Halloween qui était arrivée, c'était l'Halloween Week Part 1. On va dire que cette semaine, ce sera l'Halloween Week Part 2, puisqu'on va avoir à nouveau des éléments qui vont être mis en place et des nouveaux événements qui seront mis en place à partir de jeudi, donc de demain. Et probablement d'autres éléments seront mis en place et jeudi prochain et celui d'après encore, tout le mois d'octobre, vous l'aurez compris. On démarre avec le véhicule de la course au prix et cette semaine ce sera le Anis et Lyon. Les véhicules au salon de l'auto cette semaine et à l'essai ce seront la D-Class Vamos, la Grozzi GT500 et la Peugeot Gasser de chez Vapid évidemment. Cette semaine à la roue du casino vous aurez la possibilité de gagner la Karine Futo GTX. On passe maintenant à la concession de chez Simeon où cette semaine vous aurez 5 véhicules en exposition comme chaque semaine avec cette semaine la Devoshi Exemplar, la Enus Conoscenti mais apparemment ça serait une version cabriolet, j'ai pas réussi à la trouver. Il y aura la Grotti Carbonizale, vous aurez aussi la Oslot F620 et pour terminer la Vapid FMJ. Voilà pour les 5 véhicules chez Simeon cette semaine. On termine avec la dernière concession et les deux derniers véhicules en exposition où vous aurez cette semaine la Anis S80RR disponible chez Luxury Auto ainsi que la Lampadati Taigon. Avant d'attaquer les promotions, on démarre avec l'une des nouveautés de cette semaine et ce sera donc la Albany Brigham qui arrivera cette semaine sur GTA Online. C'est donc le dernier véhicule du DLC San Andreas Mercenaries. Et elle sera disponible à partir de demain gratuitement pour ceux qui sont abonnés avec l'abonnement GTA Plus tout simplement en fait. Et puis sera sinon achetable sur le site souterrainesanandreassuperauto.com. Voilà. D'ailleurs au passage j'en profite pour vous prévenir qu'il y a déjà une vidéo présentation custom et test de cette Albany Brigham qui est disponible en avant-première sur la chaîne depuis maintenant plusieurs mois, on peut dire ça. Donc si vous voulez aller voir la vidéo présentation custom et test en avant-première et voir un petit peu les customs sur ce véhicule, le lien de la vidéo est dans la description. Il y aura aussi en promotion cette semaine chez Souterne le Vapid Rattle qui passera à moins 20%. Ensuite chez Warstock Cash & Carry, vous aurez cette semaine en promotion le Streamer 216 de chez Mammoth à moins 30%. Il y aura aussi cette semaine une promotion de moins 40% sur le Karine Blazer Aqua. Profitez d'une promotion de moins 40% pour la Anis S80RR. La Vapid FMJ sera en promotion cette semaine à moins 40% sur GTA Online. Au niveau des promotions, vous aurez aussi la Grotti GT500 et la Vapid Peugeot Gasser à moins 40% cette semaine sur GTA Online. On passe maintenant à Maze Bank of Los Santos Foreclosure, où cette semaine, ce sera donc les bunkers qui seront mis en avant. Et ils seront en réduction à l'achat, c'est-à-dire avec une réduction de moins 30%. Et ce n'est pas tout, puisque vous aurez aussi les modifications et rénovations d'intérieur pour le style du bunker, l'espace personnel, le stand de tir, l'armurerie et le transport qui seront en promotion, eux aussi, à moins 30% cette semaine. On passe maintenant aux activités, aux nouvelles activités qui vont être mises en place cette semaine avec l'événement Halloween et on a donc l'event Ghost Exposed que je vous avais présenté il y a quelques semaines en arrière où il faudra donc prendre 10 fantômes en photo pour tout simplement avoir des récompenses. Évidemment, comme vous le voyez en fond, le tuto guide pour les photos et pour pouvoir trouver tous les fantômes est déjà enregistré et il sera disponible dès jeudi matin quand la mise à jour sur GTA Online sera faite. On continue les events avec la voiture fantôme qui fera son retour cette semaine sur GTA Online en mode libre et ce n'est pas tout, en mode libre vous aurez aussi accès à nouveau à partir de cette semaine à la mission de guerre commerciale avec l'OVNI du Fort Zancudo comme vous voyez en fond dans le gameplay. Donc cette mission sera remise en place à partir de ce jeudi sur GTA Online.
Ensuite, au niveau des bonus, le mode rivalité slasher sera lui triplé cette semaine sur GTA. On poursuit avec les bonus triplés cette semaine avec l'arrivée de nouvelles activités qui seront donc de nouveaux deathmatch au thème d'Halloween. Alors évidemment, faites pas attention à ce que je mets en fond puisque je n'ai pas pu l'habiller autrement puisque le PSN est actuellement down. Il a été hack par Anonymous d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Donc je vais essayer de combler comme je peux pour la fin de cette vidéo. Voilà, en tout cas, il y a une nouvelle activité, enfin, ou des nouveaux deathmatch plutôt qui vont arriver au thème d'Halloween à partir de ce jeudi. Maintenant, on passe aux activités en double RP et double GTA Dollar cette semaine. Et bonne nouvelle, le bunker et ses ventes seront doublées. Donc profitez-en. Cette semaine, si vous voulez farmer un petit peu le bunker, c'est l'occasion de se faire un peu d'argent. Et puis évidemment, il y aura un épisode TGS Carrière sur le bunker cette semaine. Et pour conclure sur les bonus, vous aurez les modes rivalité de la semaine dernière qui seront toujours doublés cette semaine. Donc Judgment Day, Condemned. Enfin voilà, toutes les activités que je vous avais citées la semaine dernière seront encore doublées cette semaine. Vous avez aussi Lost vs Damned, Slashers. On a encore les activités de Halloween Bunker Series qui seront aussi doublées cette semaine et pas triplées. Faites pas attention à ça en fond. Et puis évidemment, vous aurez aussi les survies aliens doublées en RP et GTA Dollar cette semaine. Pour conclure cette vidéo, il y aura un event de collection cette semaine où vous pourrez récupérer jusqu'à 3 items, ce sera 3 masques, et donc ça je vous en parlerai plus en détail à partir de demain ou vendredi. Voilà. Ah, et j'ai failli oublier, il y aura de nouveaux éléments qui seront ajoutés au mode éditeur, donc le mode éditeur de GTA Online hein, pour les activités, et ce seront des éléments autour d'Halloween. Alors je les avais trouvés dans les fichiers à l'époque de la sortie du DLC, j'ai jamais eu le temps de vous en parler en fait. Et voilà, je vais vous mettre un petit peu tous les éléments que j'avais trouvés, il y en aura probablement d'autres. On les avait vus rapidement dans une image à la présentation du DLC sur le Newswire il y a quelques mois en arrière, avant la sortie du DLC. Et donc voilà, je vous les mets un petit peu en fond, mais vous les découvrirez bien plus et mieux via le mode créateur d'activité sur GTA Online. Voilà les amis. Voilà les breakers, c'est déjà tout sur les activités, promotions, bonus et évidemment nouveautés de la semaine sur GTA Online. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette nouvelle semaine qui va se lancer dès ce jeudi vous plaira. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher évidemment le pouce du soutien, c'est extrêmement important, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et puis pourquoi pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et le Discord évidemment. Je vous invite à rejoindre le Discord pour partager vos photos et vidéos autour de l'event d'Halloween en mode libre. J'en ferai un petit best-of début novembre, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à venir partager votre petite vidéo délire ou photo, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis encore merci à tous pour votre soutien, je compte sur vous pour les pouces et pour les partages, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et probablement dès jeudi pour le guide sur les fantômes et pour l'abonnement GTA+, évidemment. Merci à tous et à très vite. Ciao.